Salut tout le monde, c'est Shaimon, bienvenue dans Total Randomization et One Up en même temps. Aujourd'hui, je vous présente Enter the Gungeon. C'est un jeu qui est sorti le 5 avril 2016, qui vient juste de sortir donc. Il est développé par Dodge Roll et édité par Devolver Digital. Il est sorti sur PC, sur Mac, sur Linux, sur PS4. C'est un jeu d'action d'aventure, c'est surtout un shoot 'em up, twin stick shooter, roguelike, roguelite, avec plein de choses à collectionner. C'est créé procéduralement, en tout cas la map est créée procéduralement. Et voilà, il y a une forte comparaison à Nuclear Throne et un peu aussi à The Binding of Isaac. Et donc je vais vous le présenter aujourd'hui dans Total Randomization et ça va aussi nous servir de première vidéo pour One Up et pour les épisodes à venir parce que je vais probablement en faire plusieurs. Sans plus tarder, entrons dans le Gungeon. Avant de rentrer dans le Gungeon, retrouvons-nous à la brèche. C'est cet endroit ici où je vous dis 2-3 petits trucs. D'abord que le jeu est complètement traduit en français, mais que comme vous avez vu dans l'intro, il y a quelques petits problèmes avec les accents, comme souvent. Que dans le menu, il y a des petits problèmes avec les langues s'en mêlent un peu les pinceaux. Et que pour l'instant, je n'arrive pas à configurer ma souris et mon clavier, donc je joue avec une manette. Voilà. Quand on rentre dans la brèche, on a un choix entre 4 classes, comme vous voyez ici. Le marine, le pilote, la condamnée et la chasseresse. Voilà. Enter the Gungeon, c'est un jeu avec un univers complètement dédié aux armes. Tout ce que vous allez voir dans ce jeu se rapproche de près ou de loin aux armes. Que ce soit les monstres, les objets, l'équipement, le lore, comme on dit en anglais, et même les boss. Donc, on peut accéder tout de suite à l'encyclopédie Gungeonesque. Ici, vous avez l'inventaire de votre personnage qui va se remplir au fur et à mesure du donjon avec les armes, les objectifs, les objets passifs. Et vous avez ici toute l'encyclopédie des armes, des objets, des ennemis et des boss. Et ça, je trouve ça déjà super génial d'avoir ces informations-là. Par rapport à Isaac, c'est beaucoup plus... Comment dire ça? C'est pas honnête, mais on vous donne les informations. Il n'y a pas de secret concernant les ennemis, les objets, les armes, etc. En revanche, il y a des secrets tout au long de la progression du jeu. Ça, c'est sûr. Donc, voilà votre petit Ammonomicon, comme on dit en anglais. Donc, sans plus attendre, allons se faire le tutoriel. Parce que j'ai jamais vraiment joué, moi non plus. Tiens, tiens, mais qu'est-ce qui nous arrive là ? Laissez-moi deviner, vous venez pour changer le passé, c'est ça? Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Mais ce n'est pas si simple. J'ai été comme vous autrefois, je suis venu pour changer le passé. Et maintenant, je n'ai plus d'avenir. Ok. Let's go down. Donc ouais, toute l'histoire, tout le lore, c'est qu'il y a une espèce de grosse navette spatiale qui est tombée sur une citadelle sombre et qui a création d'un donjon qui s'appelle le Gungeon et à l'intérieur il y a un artefact qui s'appelle l'arme du passé, je crois, qui permet de revenir dans le passé, de détruire le passé même. Donc probablement une notion de pouvoir réécrire son histoire, réécrire son futur aussi. Donc c'est ça un peu tout le background de ce jeu. Allons-y, donc je me déplace avec le stick, bien évidemment. Vous voyez qu'en haut à gauche, j'ai ma vie représentée par des cartouches rouges. J'ai apparemment aussi un bouclier qui est juste à droite, avec comme si c'était un point d'exclamation jaune. En dessous, il y a des clés, et à droite, il y a la monnaie qui est aussi des balles. Et en haut à droite, la map. Donc, comme je vous disais, le jeu... Attendez. Approche, âme récalcitrante. Approche et appuie sur A pour engager la conversation. Car je suis le chevalier Manuel. Écoute mes paroles et je t'enseignerai comment survivre à ce labyrinthe maudit. Passe cette porte pour débuter ton initiation. Merci bien. Comme je disais, donc les salles et donc la carte est générée procéduralement. Voilà, mais à part ça, chaque salle, j'ai appris, est vraiment designée de façon très précise. Tous les livres sont aux mêmes endroits, toutes les tables, comme par exemple ici, sont au même endroit,
par salle bien précise. Vous verrez. Essayez de renverser ces tables ou de donner... Hey, ça va trop vite. Trop tard. Utilise la touche A pour renverser une de ces tables. Ou tu peux faire rouler un de ces tonneaux. Très bien. Donc, dans Gungeon, il y a également toute une notion de stratégie. Pouf, tu peux t'abriter derrière lorsqu'on te tire dessus. Voilà, comme dans les films d'action à la Bruce Willis. Pouf, oui, libère ta colère. Et on peut tout envoyer valdinguer. Voilà une interaction très réussie. Rejoins la salle suivante. On peut aussi faire rouler les tonneaux apparemment. Oui, tu peux tout casser. Je rangerai plus tard. Ah, ça c'est chouette. Il n'y a rien là-dedans, tu sais. Mais ça aurait pu être utile pour t'abriter. Donc on vous apprend que vraiment tout le décor est utile pour se protéger. Deuxième notion très importante dans ce jeu. Voilà la leçon la plus importante. Tu peux exécuter une roulade d'esquive en appuyant sur LB et sur une direction. Tu es invulnérable au tir pendant la première moitié de ta roulade. Mais tu redeviens vulnérable dès que tu retouches le sol. Cette technique te permet d'esquiver les balles et autres dangers. Mais elle doit être exécutée précisément au moment opportun. À ton commandement, j'ouvrirai la barrière. Exécute une roulade d'esquive pour atteindre l'autre côté de la salle sans y laisser ta peau. Attends jusqu'à la dernière seconde, puis appuie sur LB pour exécuter ta roulade. L'épreuve commencera à ton commandement. Allons-y. Alors, c'est parti. Ouh, hey, parfait. Vous voyez qu'il faut donc faire un bon timing par rapport à la roulade. Si elle est faite trop tôt, boum, vous prenez un coup. Et si vous la faites trop tard, boum, vous prenez un coup également. Dès que je retouche le sol, je redeviens vulnérable, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est un aspect majeur du jeu. Et d'ailleurs, même le nom de l'entreprise qui a développé le jeu porte le nom de Dodge Roll. Dodge Roll, c'est ça en anglais, c'est la roulade d'esquive. Voilà pour le petit détail. Beau travail! Let's go! Pouf! Notion suivante. Le passage est bloqué. Exécute une roulade pour sauter par-dessus ce trou. Approche-toi du bord et appuie sur LB tout en avançant pour sauter par-dessus ce trou. Tu dois sauter par-dessus ce trou! C'est bon, j'ai compris là, hein? Ok, d'accord, ok. Pff, ça se répète tant que j'ai pas sauté. Même principe, j'imagine que quand on saute pas bien, on tombe dans le vide. Je crois que tu as déclenché ta roulade trop tôt. Ce qui est vrai. Et vous voyez qu'en haut, j'ai perdu mon bouclier. Le bouclier sert de vie un peu comme un cœur d'esprit dans Isaac qui peut pas se régénérer, alors que les cœurs rouges peuvent se régénérer avec de la vie. Next. Boum. Next. Magnifique. La porte est ouverte. Mais tu dois réussir un ultime saut. Prends ton appel au bon moment. Et donc apparemment, il y a un saut plus grand. Wow ! Magnifique. J'ai cru que j'étais tombé dans le vide, mais bon. Let's go ! Enfonçons les portes jusqu'à la suite. La roulade d'esquive est le meilleur moyen de ne pas mourir lors d'un échange de tirs. Mais parfois, il arrive tout simplement trop de balles à la fois. Effectivement. Par exemple, il est impossible d'esquiver ceci. Il existe cependant un moyen de dégager la voie. C'est ce qu'on appelle les balles à blanc. Elles neutralisent toutes les munitions ennemies dans une salle et empêchent les ennemis de tirer pendant un court moment. Elles repoussent aussi les ennemis les plus proches. L'idéal quand on a besoin de changer de position. Ramasse-les en passant dessus. Voilà! Utilise les balles à blanc en appuyant sur nénénén et nénénén en même temps. Quand tu en as plein les douilles, utilise une balle à blanc pour supprimer toutes les munitions tirées. Et dépêche-toi de passer. Très bien. Donc ça, c'est aussi une deuxième mécanique très importante. L'annulation de toutes les balles et le fait aussi de comment on appelle ça? Oh mon dieu, c'est à cause de ces balles qui tirent sans arrêt, là. D'assommer les ennemis. Voilà, magnifique, il m'a seulement fallu 30 secondes pour trouver le mot. Vous avez soit la touche X, soit le twin stick vers le bas, j'ai cru comprendre, mais apparemment ça marche pas. Donc, on va faire le bon vieux X. Ouh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Excellent! Les balles à blanc sont réapprovisionnées au début de chaque étage, alors essaie de les utiliser à bon escient.
On en trouve aussi parfois au détour d'un couloir du Gungeon. Mais je ne compterais pas trop sur ça si j'étais toi. En avant! Ça, je savais pas que c'était régénéré à chaque début de... étage. Ok. Pouf, 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 pouf. Suivant. Tu maîtrises les bases, soldat. Je crois que tu as mérité une petite récompense. Une arme qui convient mieux à quelqu'un de ta stature et de ton expérience. Ouh! Vas-y, ouvre-le! Yeah! Bien sûr, il y a plein de coffres dans ce jeu. Et il y a plein d'objets différents. Appuie sur RS pour viser et RB pour tirer. Tire petit pois. Oh, c'est mignon. Recharge ton arme en appuyant sur X. Mais avant tout, il te faut une cible. Un des résidents à demeure du donjon. Cruel, sauvage et assoiffé de sang. Ouh! Donc vous voyez que même les ennemis ont une tête de balle. Maintenant, tue-le! Alors voilà, bien sûr, c'est un jeu très violent. Abat-le! Ouf! Qui tire des petits pois avec cette arme magnifique? Tu es de sang-froid. Tu es sans pitié. Dans les prochaines salles, les choses sérieuses commencent. Tue tous les ennemis dans chaque salle pour débloquer les portes. Je te retrouve à quelques salles d'ici. Donc on a une espèce d'arme d'entraînement, qui est une arme avec des petits points à l'intérieur. Et vous voyez que maintenant, en bas à droite, il y a une nouvelle interface. Il y a l'icône de l'arme, les munitions juste en haut, et à droite, le chargeur. On peut recharger avec B, dans mon cas. Pouf ! Vous voyez que ça se recharge, ça utilise les balles. Je peux également donc viser comme ceci et tirer comme cela. Magnifique. Les premiers ennemis arrivent, essayons de retenir un peu tout ce qu'on a appris. Les tables pour se planquer derrière, vous voyez que selon l'orientation de mon personnage, je peux faire tomber la table d'un côté ou de l'autre. Salle suivante. Oh, hello guys. Qu'est-ce qui se passe si je vous envoie ça dans la figure? Oh, magnifique. Ce sont donc bien des tonneaux explosifs. Voilà, recharger, c'est important parce que c'est pas automatique apparemment. Sachez donc que chaque balle doit être très finement tirée, puisqu'il n'y a pas de auto-aim, je crois. Peut-être qu'avec la manette, oui, mais en tout cas avec le clavier, je ne crois pas, et la souris, il faut vraiment cliquer précisément pour bien viser. Tu as réussi! Tu connais à présent la roulade d'esquive et les balles à blanc, mais ce n'est pas tout. Tu dois savoir utiliser les objets autres que les armes. Cette trousse de soins, par exemple, elle restaure ta santé. Ramasse-la en t'approchant et en appuyant sur A. Ah ! Tu es en pleine santé, alors ne l'utilise pas pour le moment. Mais quand tu sentiras que tu en as besoin, appuie frénétiquement sur RT pour l'utiliser. Bien ! Passons à la suite. Je crois que sa voix se mélange un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Quoi d'autre ? Je pense qu'on a à peu près tout dit. Si je ne m'abuse. Ah non, il y a ça aussi. Tu vois cette chose de l'autre côté? C'est un téléporteur. À partir du moment où tu en as trouvé un, tu peux y revenir à tout moment. Sauf quand tu es en train de te battre. Pour l'utiliser, affiche d'abord la carte en maintenant LT, puis sélectionne le symbole du téléporteur de l'endroit désiré, et enfin appuie sur A pour t'y rendre. Tu as compris? Ou tu veux que je te réexplique? Très bien. Bien. Maintenant, utilise le téléporteur pour franchir cet obstacle. Alors, effectivement, il y a des téléporteurs dans chaque... Non, pas dans chaque salle, dans certains endroits de l'étage, ce qui permettent de voyager un peu plus rapidement et de revenir à des endroits un peu plus rapidement, ce qui est très, très, très intelligent. Des fois, dans Isaac, c'est un peu long de faire tout le tour. Mais il y a peut-être une notion de timing qui n'est pas la même que dans Isaac. Hop, donc LT, et il n'y a plus qu'à chercher le téléport qui est juste ici. Je l'appuie sur A, et le traverser. Waouh, avec une magnifique animation. Souviens-toi! Tu peux rejoindre n'importe quel téléporteur sur la carte, pas juste ceux qui sont dans la même salle. Mais ils ne fonctionnent pas pendant les combats. Ouais, ça marche pas pendant les combats. Si tu appuies sur A tout en te tenant sur ce portail, tu peux l'utiliser pour te téléporter vers l'endroit d'où tu viens. Je t'attends à quelques salles d'ici, plus au nord. Explore un peu les alentours, essaie de mettre la main sur une meilleure arme avant de défier le boss. Donc, on peut également se re-téléporter à l'endroit d'où on vient...
en se repositionnant sur le téléport. Voilà. Allons-y. Alors maintenant, il y a l'air d'avoir deux choix possibles. Ah non, puisque la porte de droite est verrouillée. Très bien. Allons-y. Ouh ! Oh my god ! Ok, donc certains ennemis sont des kamikazes. Tout simplement. What? Oh my god. Ok, à cause de moi, il faut que je fasse attention. Si j'appuie sur le stick de droite, j'ouvre le menu, ce qui n'est pas une bonne idée. Quand vous n'avez plus de balles dans votre arme et que vous cherchez à tirer, ça recharge apparemment. Sinon, si vous avez juste plus de balles, c'est pas une recharge automatique. Mais si je cherche à tirer, ça recharge. Voilà donc le téléport qui s'est activé après le combat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à explorer, tout comme un bon vieux Isaac. Et à découvrir, les secrets de chaque salle. Ouh ! Oh my god, je me suis trompé d'angle. Je vous ai donc dit que le jeu était beaucoup plus honnête avec vous, qui vous donnait les informations sur les armes, les objets, les boss, les ennemis, etc. Mais qu'il y a malgré tout beaucoup de secrets à découvrir tout au long du déroulement du jeu. Ce qui en fait une de ses forces, puisque le jeu est énormément riche d'objets et également de choses à débloquer. Et donc, si on regarde ici, très rapidement... Ah, non, on peut pas voir. Sur l'arme du début du marine, il y avait écrit que cette arme, l'arme de base du marine, ne peut pas découvrir les secrets. En revanche, si vous utilisez une balle à blanc dans une salle comme celle-ci, pouf, vous voyez que ça révèle un secret. Pour les plus attentifs d'entre vous, tout à l'heure, il y avait une fissure sur ce mur-là, et avec la balle à blanc, quand elle explose, elle dévoile des secrets. Premier secret du jeu, ceci. Bouclier du vieux chevalier, lourd d'une vaste expérience. Et Homme du vieux chevalier, protège le savoir. Voyons voir ça. Ok, d'accord. Ça me permet de me dire quels sont les nouveaux objets débloqués, ce qui est vachement intéressant. Bouclier du chevalier Manuel, orné du blason de sa famille, la coupe du savoir. Ok. Un diagramme au dos du bouclier explique comment le porter et les méthodes pour l'utiliser au mieux, dans un état de conservation remarquable. Un haut modeste mais robuste, autrefois porté par un chevalier doté d'une tête plus grosse que la moyenne. Ok, donc ça c'est juste des objets à collectionner pour le début, pour la fin du tutoriel. Et pour l'histoire. Ça n'a pas vraiment d'utilité, apparemment. Boum ! J'ai donc réussi à débloquer une porte de ce côté-là. Allons de l'autre côté pour voir ce qui se cache dans la suite du dungeon. Hello, guys ! Oh my god ! N'oubliez pas d'esquiver, donc, avec la roulade d'esquive. Oh my god ! Oh my god ! Et n'oubliez pas de sauter par-dessus l'eau. Ouh, j'ai plein de boucliers, j'avais même pas vu. J'ai 4 boucliers là-haut. Je sais même pas comment je les ai ramassés. Hop, par ici. Oh. Si tu as plus de 2 armes, maintiens Y enfoncé pour ralentir le temps et choisir celle que tu veux. Manu. Ok, je savais pas ça. Appuie sur Y pour changer d'arme. Je crois pas que ce soit vrai avec mes commandes actuelles, mais bon. Nouveau coffre. L'AK-47, irremplaçable. Pouf. Nouvelle arme, l'AK-47. L'AK-47 est pour de multiples raisons l'étalon qui sert à juger les autres armes. Bon marché et fiable, ce fusil d'assaut a prouvé son efficacité sur toutes sortes de terrains d'action. Blablabla. Ok, on n'apprend rien de particulier sur l'utilisation de l'arme. Voyons voir donc, appuyer Y. Non. Voilà, Y ça permet de... Ouais, Y c'est juste pour utiliser l'objet dans mon cas précis. Pour changer d'arme, il faut que je fasse ça, moi. Sur ma manette, mais vous pouvez configurer comme vous voulez vos touches. Continuons. Salle suivante. C'est par ici. Ouf ! Téléport, et ça, c'est comme dans tous les jeux magnifiques, l'indication d'un boss au bout de l'allée. Salut ! Viens me voir quand tu voudras affronter ton ultime défi. Tu veux vraiment mettre tout ce que tu as appris à l'épreuve? Oui. Alors, affronte-moi en combat singulier. Oh mon dieu. Voilà donc maintenant le tuto pour les boss. Avec la vie du boss en bas au milieu. Et différents types d'attaques. Oh my god, j'ai pris un plein dégât. En pleine poire. Mon premier dégât depuis le début de la vidéo.
Faut que j'arrête d'appuyer sur cette touche ridicule. Faut que je reconfigure ma manette. Pour éviter cet accident. Du calme, du calme, du calme, Manuel. Recharge. Hop, esquive, juste pour le fun et pour répéter. Ah, sauf que j'ai pris tout dans la gueule. Oh, j'ai changé d'arme sans faire exprès. Comment ça se fait? Bizarre. Halt! Cessez le feu! Attends. Ce bouclier. Tu as trouvé mon bouclier. Ce qui signifie que tu connais à présent mon terrible secret. C'est vrai. Je n'ai jamais conquis le Gungeon. Je ne suis même plus vraiment sûr que nous soyons dans le Gungeon. Quelle humiliation. Tout ça par la faute de cette canaille. La faute de qui? Ce serpent de Blockner. Nous étions censés être dans le même camp. Mais peu après mon arrivée, on m'a tiré dans le dos. Quand j'ai repris conscience, j'étais enfermé dans une sorte de... coffre. J'ai appelé à l'aide, mais personne n'est venu. Je suis sûr que c'est lui qui m'a tiré dessus. Je crois qu'il voulait l'arme pour lui tout seul. Mais il n'a pas dû réussir. Comment savez-vous qu'il n'a pas réussi? Parce que si Blockner avait changé le passé, il ne serait jamais venu au Gungeon, et moi non plus. Donc comme je suis encore ici, il a dû repartir bredouille. Ou alors il est prisonnier du Gungeon lui aussi, ce qui serait bien fait pour lui. Si tu le trouves, donne-lui le bonjour de Manu. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Bref, je n'ai plus rien à t'enseigner. Bonne chance avec le Gungeon et ton passé. Merci bien. Voilà donc un peu plus d'histoire, sachant qu'il y a aussi énormément de personnages à débloquer. Voilà, ça représente aussi la fin de l'étage, l'ascenseur pour partir. Donc je disais, plein de personnages à débloquer tout au long de la progression de l'histoire. Ici, c'est donc le tutoriel là-haut. Il y a lui aussi, j'ai jamais parlé. Oh, Mystique, il y a lui aussi. Il y a 5 classes en réalité. Très bien. Et voilà, je voulais juste vous montrer que là-bas, vous voyez, à droite, il y a une salle qui est bloquée. Et que ici, là-bas, il y a une salle bloquée. Et que de l'autre côté aussi. Donc il y a des personnages à débloquer qui vous permettront de débloquer des magasins, des upgrades, etc. etc. Que vous pourrez utiliser les différents, les différentes currencies, les différentes monnaies du jeu pour dépenser et vous améliorer avant même de commencer le jeu. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la mécanique du jeu, sur le style, sur le graphisme que vous avez pu voir, sur la musique que vous avez pu entendre vaguement, sur l'histoire, je crois que je l'ai déjà dit, et sur les mécanismes de ce jeu qui s'appelle donc Enter the Gungeon. Et le Gungeon est tout simplement face à vous, il sera donc généré aléatoirement, et vous devrez descendre tout en bas ou tout en haut, ça dépend des jeux, jusqu'à l'arme du passé. C'était donc Shaimon sur Total Randomization. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo découverte d'un jeu et également à bientôt sur OneUp pour continuer Enter the Gungeon de façon plus en profondeur. À très bientôt, ciao, bye bye.